Moi, je pense qu'on est content quand même de tomber contre. Bon, on est pour le C. On est très très content de tomber contre le Sénégal ou contre le Cameroun. Il y a aussi Gambie, je pense. Donc, vous savez, quand on est qualifié en Coupe d'Afrique, ce n'est pas au hasard. Donc, je pense que ce sont des meilleurs qui se qualifient en Coupe d'Afrique. Donc, peu importe l'adversaire, de toute façon, le plus important pour nous, c'est d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire aller jusqu'en finale et ramener la Coupe en Guinée. Donc, au Sénégal ou au Cameroun, c'est vrai que c'est les équipes, on les respecte, mais n'oublions pas qu'on joue 11-11 sur le terrain. Je pense que si on est concentré, on est déterminé, dans cette poule-là, on peut s'en sortir. On est peur de personne. On a peur de personne. Je pense que l'équipe la plus motivée, qui est déterminée, qui est plus concentrée, qui va faire la différence. Après, c'est le match de poule. Hein. Le match de poule, si on est. Le premier match, on joue contre la Gambie. Il ne faut pas oublier que c'est la Gambie qui nous a sortis quand on était en Cameroun. Le Cameroun. Au Cameroun. Donc, il faut se concentrer. Il faut aller avec tous les meilleurs joueurs qu'on a dans le championnat, ou peu importe en Guinée, dans le championnat européen, tout ça. Je pense que si on est mieux concentré, on se prépare bien comme ça se doit, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne sort pas de ce coup-là. Vous savez, moi j'étais au Cameroun, c'est vrai. Moi je suis content que l'équipe tombe contre le Sénégal. Comme je dis, hein, le Sénégal au Cameroun, vous savez. Et quand on a joué contre le Sénégal, ils ont eu la chance. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la meilleure équipe en Afrique. C'est le champion en titre. Mais ça, c'est il y a 2 ans passés. Et vous savez, on a joué contre le Sénégal. La chance qu'ils ont eue, quand ils ont joué contre nous, ils ont eu la chance. Parce que je crois qu'on a eu 0-0, non? Oui. Donc ils ont eu la chance d'avoir 0-0 contre nous, parce qu'on aurait pu gagner ce match-là. Donc comme j'ai dit, hein, il faut se préparer, il faut mettre un système en place qui va permettre aux joueurs de Sili National de se faire plaisir sur le terrain et prendre 3 points, même je sais que ça ne va pas être évident, parce que je le dis en connaissance de cause, parce que si on est prêt. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, on a un Kirassi qui est en train de faire du plaisir côté attaque, au jour d'aujourd'hui, en Europe. Donc maintenant, il faut préparer, comme j'ai dit, il faut préparer l'équipe comme ça se doit, et aller avec la détermination d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Voilà, c'est. Et comme j'ai dit, on n'a perdu personne. Peu importe le Sénégal, Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique est faite pour le rendez-vous des grands. Donc on est qualifié, on n'est pas qualifié au hasard. Et puis voilà, il y aura des supporters parce que c'est à côté. Et donc il faut être prêt. Donc je pense qu'on sera prêt, on sera au rendez-vous. Après, vous savez, quand on arrive en sélection, tout ça, il y a toujours des. Voilà, on n'a pas trop de temps pour des préparations. Mais là, parce qu'on est qualifié, on a suffisamment de temps de se préparer dans les meilleures conditions pour qu'on puisse aborder les matchs. Donc, je pense que, comme j'ai dit, hein, le ministère, la fédération, tout le monde va se donner la main pour mettre cette équipe-là dans les meilleures conditions. Donc, comme je dis, c'est l'équipe qui vont avec des hargnes, qui vont avec la détermination, qui vont avec l'engagement, qui sont prêts à ramener la coupe. Eh bien, je pense qu'ils vont aller pour ramener la coupe. Vous savez, jouer en Europe et jouer en Afrique, il y a beaucoup de différences. Hein. Donc, je pense que si on est engagé, parce que voilà, vous voyez. Le tirer même, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Donc il faut se concentrer. Il faut accompagner l'équipe. Même nous les anciens, si on peut accompagner l'équipe, voilà,
pour les parler, pour les motiver, voilà, pour les donner des conseils qu'il faut, parce que nous, on est déjà passé par là, et je pense que ça sera important aussi pour le pays, pour l'équipe, pour les jeunes, parce que c'est important. Et si on vous donnait l'occasion, qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, on va leur dire, vous savez, comme nous, on a été. C'est vrai qu'on a, on n'a pas eu la chance d'y aller jusqu'en demi-finale, mais la chance que nous, on n'a pas eue, on aimerait bien que vous partez jusqu'en finale. Donc, il faut vous aimer. Il faut conjuguer même verbe. Voilà, il faut laisser tous ces rois-là à côté et il faut se concentrer sur la Coupe d'Afrique. Voilà. Et je pense que si c'est comme ça, donner la main et voilà, porter le maillot de rouge, même le couleur de la Guinée, rouge, jaune, vert ensemble, je pense qu'il n'y a pas de... Parce que n'oubliez pas qu'on a des équipes quand même pour. On a les éléments, on a des équipes. Et maintenant, il faut accompagner l'équipe, quoi. Il faut accompagner l'équipe parce que voilà, souvent, comme j'ai dit, hein, Kaba aussi va prendre ses responsabilités. Voilà, parce que souvent. Souvent 10-15 matchs des derniers matchs et des dernières minutes là on arrive toujours à trébucher. Voilà, donc il faut se concentrer, il faut travailler là-dessus parce qu'on a le temps de travailler sur ça, parce que quand on joue là, dès que ça reste 10-15 minutes, les Guinéens, on n'est pas tranquille parce qu'en tant que le match n'est pas fini, on n'est pas tranquille. Donc ce que nous on a subi auparavant, on n'aimerait pas que les jeunes la subissent ça. Et donc, les détracteurs, c'est pour cela qu'il faut le travail, il faut être concentré du début jusqu'à la fin, jusqu'à 90-15 minutes s'il faut, et puis remporter si on arrive à gagner ou si on arrive à faire un match, il faut se concentrer. Maintenant, voilà, dites-nous jusqu'où vous voyez cette équipe du Sili National de Guinée. Mais jusqu'en finale. Jusqu'en finale, il faut être déterminé, il faut être à 100%. Il faut travailler. Comme j'ai dit, hein, on a l'équipe qu'il faut. On a l'équipe qu'il faut. Il faut, à condition d'appeler tout le monde, parce que on a des jeunes joueurs qui sont très bons. Comme j'ai dit, hein, Kaba n'a qu'à laisser son ego de côté avec le truc de Mahdi à gauche, à droite, tout ça là. Appeler tout le monde parce qu'il s'agit de la Guinée. Quand c'est la Guinée, il n'y a pas plus haut, non, c'est la Guinée qui avant tout. Donc si on réunit tout le monde, et je pense qu'on peut aller jusqu'en finale. Non, je ne pense pas. Kaba, il est en train de faire un bon boulot. N'oublions pas que voilà, le plus important pour nous, c'était de se qualifier en Coupe d'Afrique. Maintenant, on s'est qualifié. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à Kaba? C'est de ramener la Coupe, c'est-à-dire déjà aller jusqu'en finale, s'il faut ramener la Coupe en Guinée. Donc, on ne va pas se dire les équipes qui sont en face. On sait que toutes les équipes qui se trouvent en Coupe d'Afrique, c'est des équipes qui veulent ramener la Coupe chez eux. Et nous aussi, on veut que la Coupe revienne chez nous. Donc, à condition qu'on travaille comme ça se doit, donc on a confiance en Kaba. Il a fait le travail qu'il faut. Maintenant, regarde tous les joueurs internationaux qui viennent, les binationaux là, qui viennent en Guinée, qui ne voulaient pas venir avant. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde vient en Guinée. Je pense que c'est important pour la Guinée. Donc maintenant, il faut mettre l'équipe qu'il faut pour amener la Coupe en Guinée. C'est tout simplement. Et il faut travailler dans le sérieux, dans les meilleures conditions. Et voilà, il faut être sérieux. Il faut être... concentré, il faut être discipliné parce que c'est important. On ne peut pas ramener la Coupe en Guinée sans la discipline, sans concentration. Donc je pense qu'il faut faire confiance à Kaba et je pense que si on le fait confiance, il n'y a pas de faux pas, lui tomber dessus comme ça. Et voilà, il faut appeler tout le monde, il faut se donner la main et je pense qu'en se donnant la main tous ensemble, on peut ramener quelque chose en Guinée.